Et c'est pas genre une seule partie, non, 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 c'est vous pouvez jouer toutes les parties comme vous voulez à partir du moment où quelqu'un vous donne un lien. Oh là là, c'est très, très Eure-et-Loir, ça aussi, je trouve. Nous avons un 02. Par contre, j'arrive pas à lire le numéro du département. Ça aurait été bien, mais malheureusement, je crois que c'est 79. Mais 79, c'est quoi? Pas le problème. Avec 79, c'est quoi? Parce que. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Orme. Peut-être l'Oise. Je ne sais pas si l'Oise, c'est 02. Argenton. Argenton-le. Ça me parle pas trop. Argenton, l'église. Ok. Cercey. Oh, Cercey, ça me parle par contre. Montreuil. Douai. Neuilly-sur-Layon. Alors, on va juste noter D159, D31. Ça peut toujours servir. Zéro cinq? Pardon? Est-ce que je suis en train de me faire pranque? En fait, ouais, je crois qu'en fait, on est beaucoup plus bas. J'ai dit quoi? Seyon? C'est ça? Cercey? Cercey. C'est dans. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom de ce truc, cette série nulle. Pas nulle, non. Mais... En tout cas, qui m'a jamais attiré en vrai. Game of Thrones. Désolé, j'ai dit série nulle. Quel bâtard. Jarl, Douai-la-Fontaine. Saumur. Ah, ça, Saumur, c'est connu. C'est même du vin, si je ne m'abuse. Saumur Champigny. Saumur. Alors, je sais pas si on le voit de loin, par contre. Ou alors, c'est ça, là, qui est là? Non, c'est Niort, ici. Saumur, Saumur, Saumur. Ah, je sais plus. Hein. Faudrait vraiment qu'on apprenne les grosses villes de chacun des départements, ce serait bien utile en vrai. Tout ça, c'est. On va se mettre à mon cul. La fameuse ville de mon cul. Ils doivent plus en pouvoir de se faire voler leur panneau de ville. Parce que ça c'est un grand truc, hein. Genre quand la. Mais putain, 02, 02, 05, on est quelque part entre les deux là, je suppose. En vrai. Attends, c'est pas ça que j'ai vu tout à l'heure en fait. Ah non, c'est Chinon. Si, Saumur. Ok, donc si Saumur est à notre nord-est, on est quelque part par là. D159 et D31, est-ce qu'on voit ça? On ne voit pas là tous ces noms. Peut-être pas le bon Saumur, hein. Même si en vrai. Attendez, on va retourner là. Se retaper les noms. Retourner au des points de départ, ce serait bien. Voilà. D31 vers Saumur, Douai-la-Fontaine. Est-ce qu'on voit ça, Douai-la-Fontaine? Oh, Bressuire. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Suis quasiment sûr que mon grand-père, en fait, allait chercher du vin à Chinon. Donc c'est pour ça que ça me parle un peu. J'ai dû y aller une fois. Montreuil-Belley.
vois rien de toutes ces villes. Merde. Ah, c'était encore plus au sud. Ah oui, le puits Notre-Dame, c'était ça hein, que je cherchais. Je l'avais pas vu. Ok. Ça aurait été bien en fait de réussir à aller jusqu'à la limitation du département, parce que souvent quand même y aller. Les panneaux de limite de département qui sont indiqués, et donc du coup ça permet quand même de bien réduire le truc. Montreuil, et donc Montreuil c'est là. Putain, mais je suis aveugle en fait, parce que Montreuil on le voit de loin. Oui, on le voit de très loin en vrai. Donc en fait, Saumur c'est là. Entre Tours et Angers. Bressuire. Putain, mais pourquoi ça me parle ça, Bressuire? Pas. 4525 points et 15 km. C'est pas terrible, terrible. En vrai, je pense que en tryhardant un peu, on aurait pu trouver. Mais quoi qu'on n'avait pas le nom de la ville. Hein. On savait pas que c'était Beaulieu-Lorette. Donc en vrai, ça aurait été un peu compliqué. Suivant. Ouais. Ah, j'ai pas la méta voiture bleue. Voiture au capot bleu. Alors, qu'est-ce qui est indiqué? Bayo. Le pain sur la D343-8. Ouais. Chauffour. Je vais quand même noter D131. 1, c'est ça? Ou 3? 1. 3, c'est la distance. On atterrit sur un plus grand axe. Ça peut peut-être être plus intéressant quand même. Romini, Chauffour. Et là, nous avons Auville. Ça aurait été Deauville, au moins je sais où c'est à peu près. Mais Auville. Faire première à droite. Par contre, là, nous avons un département où c'est comment ça se passe? Est-ce que ça serait marqué Eure-et-Loir en vrai? Ou je suis aveugle? Non, on dirait bien Eure et là, Loir. C'est un peu difficile à lire quand même. Là, c'est clairement marqué Eure ici. Et comme s'il y a un autre truc, je suppose que c'est l'Eure-et-Loir. Donc l'Eure-et-Loir qui est ici, si je ne m'abuse, Chartres. Eure-et-Loir sans E d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est ça? Ouais. C'est pas le même Loir en fait. Ah, par contre, en fait, là, il y avait une direction. C'est ça que je cherchais à voir tout à l'heure, en vrai. Oui, Romigny et Auville, super. Par contre, Bayeux-le-Pin, ça, on avait vu. Là, on a une partie de ça. Ah, Chartres à 14 km à l'est. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on est vraiment pas loin. D939, hein, c'est ça, hein, je crois qu'on est. Attendez. Est-ce que vous pourriez me déflouter le numéro de la route, s'il vous plaît? D921. 923. 921. Bayeux-le-Pin, tout à fait. Crois qu'on arrive à Bayeux-le-Pin, là. C'est ça? Illy-Combray. Ah non, Bayeux-le-Pin centre. Oui, si, c'est ça. Ok. On est sur la D921. On doit être là. On vient de là. D131-1. Et D348. On vient de la D131. 223-1. Quelque part là-dedans. Alors, par contre, où est-ce qu'on était? Au beau milieu de nulle part. Par contre, en vrai, au beau milieu de nulle part. Mais sur l'eau. Ce qui est l'avantage en fait avec cette map, c'est qu'il y a quand même pour chacun des points de repère de ce style-là. Oh, un canard. Un petit canard.
Donc là, il y a la loi de chemin de fer, tout à fait. Et ce sera les 2 mètres, les 5 000 points. Parfait. Troisième point. Nous sommes le long de l'eau. Alors, quelle eau? C'est la question. Est-ce que c'est la Seine? Peut-être. Non, en vrai, je pense pas, puisque Conflent, à 15. Ah si, Conflent, ah bah oui, il y a le RER. Donc si, nous sommes à Conflent-Sainte-Honorine. Alors par contre, où est-ce que c'est? Merde. C'est quelque part dans ce coin-là, bah, le long de la Seine, quoi. Bah, tu es con. Chercher le long de la Seine Conflent. Mais je ne vois pas. Si, Conflent-Sainte-Honorine, voilà. Qu'on doit être quelque part par là. On est sur la D48 qui est là. Attendez, on est en train d'aller vers l'est, on est à un rond-point. Il y a un McDo. Il est là le McDo. Donc on vient de quelque part là. Attendez. Non, en vrai, on vient de quelque part là. On est là, il y a quoi? VNE? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que là, il y a une petite route? En effet, il y a une petite route comme ça, qui serait celle-là, du coup. Ça. Ouais, ce serait celle-là, je pense. Voyons voir. Si, 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 c'est ça. Et là, ça, c'est le Mekong, le restaurant thaï, visiblement. Tout à fait. Retournons au point de départ pour se placer précisément. On est vraiment juste avant cette petite route. Là, en fait. Et c'est les 1 mètre et les 5 000 points. Parfait. En fait, dites-moi si la musique est un peu forte, parce que je ne m'en rends pas compte. En fait, moi, j'ai pas le même volume que vous sur chacun des canaux. Donc, là que la musique peut être un peu forte par rapport à ma voix. Même si le viewmeter, le mien, va dans le jaune et la musique reste bien dans le vert, ça peut être un peu trop fort pour vous, je ne sais pas. Surtout que je ne parle pas fort, puisqu'il est tard. J'ai pas envie de vous réveiller si vous dormez devant moi. C'est vrai, sur la D2. Et nous avons la D5 également. Javol. Yavol. Saint-Sauveur du Père. Deux Pères d'ailleurs. Saint-Sauveur. Enfin bref, on s'en fout. Deux ou du. Ça me. C'est pas ça qui. Et Aumont. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir lu ce nom il n'y a pas longtemps, mais je pense pas en vrai. J'oublie en fait. Je confonds tous les noms et il y a beaucoup de noms en fait de villes qui se ressemblent. Donc. En tout cas, ça risque d'être un poil plus compliqué, hein, parce qu'on n'a pas vraiment d'infos. Par contre, il y a l'air d'avoir un grand axe là. Ah, bonjour, le chat qui pue du cul. Je dis qui pue du cul parce que. Littéralement chier dessus, en fait. Ça a dû sécher. Ça ne pue plus. non, en fait, c'est le problème des chats à poils longs. Si tu leur tailles pas les poils du cul. Bah le caca, il colle. Rimeize, Mende, Saint-Amand. Oh là là. Où est-ce qu'on est? Lot. Lot et Garonne, quoi. Aumont. Tu ne m'arranges pas le chat.
entre Lot et Truyère. Ah ouais, mais ça me parle vraiment pas. Attends, c'est marqué quoi là? Lot et Truyère, ah super. Et Mende, Mende c'est connu, non? Ah non, c'est Marmande. En fait, ça se trouve, c'est pas loin. Non. Par contre, là, en fait, où tu t'es mis le chat, je ne vois plus le chat. Donc, si on me parle, je ne peux pas répondre. Ouais, Yavol. On ne me parle pas. Les gens ne parlent pas. Les gens dorment. En vrai, par contre, ça ne m'arrange pas de ne pas avoir. Oh, Guy Laroche. Attendez, c'est peut-être intéressant. Pas du tout. Il n'y a même pas le numéro d'indicatif, tellement la pub est vieille, quoi. Ah. Nous sommes à. Servrette. Mende, Saint-Amand. Je veux bien, mais. Saint-Alban sur Limagnole. Servette en Margeride. Mais putain, je sais pas du tout où on est. Attendez, c'est peut-être intéressant ça. Saint-Alban, machin. Ouais. Super, quoi. Mende. Mende est quand même indiqué à 32 km. Hein, donc, c'est pas une petite ville, on est d'accord. C'est connu, Mende. Bon, par contre, le chat est un peu chiant, ouais. Et en fait, si tu puques. Oh! Mais va te laver, hein, sérieux, le chat. Va te laver, lave-toi le cul. Oh! Putain, ça pue. Ça pue le caca, le chat. Bah, je ne trouve pas Mende, donc je ne trouverai pas là où je suis, malheureusement. On va se mettre pas loin de Marmande, hein, mais. Ce qui me semble que les deux sont pas loin, en vrai. Oh putain, t'as des sacrés bourres de poils, le chat. Oh, pas du tout! En fait, Mende, c'est là. Wow, ah oui, d'accord, c'est Lot et je ne sais quoi en fait. Oh là là. Eh ben alors, pas du tout. Ce sera 253 km le chat. C'est un bon score de merde. T'es d'accord? Aïe, 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 aïe. Alors, oh, nous avons une double écriture. Déjà, Marcus. Je vais noter par Cox. Cette double écriture me parle pas trop, mais je dirais que c'est du basque ou un truc comme ça. Oloron, LAN 05. Oui, alors on est bien pas là. Laro. Ben non, pas, c'est pas ça que je cherche. Montory, Oloron. Oloron, ça a l'air d'être un truc assez grand. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi, où est-ce que c'est exactement le basque, en vrai. Je sais que c'est dans le. Ah, oh, tu pues du cul, le chat. Oh! Oloron et Mauléon. Mauléon! Tiens, 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 Mauléon à notre ouest. Tiens, tiens, tiens. Oloron, on est entre les deux. Nous sommes à Montory. Mauléon, Oloron. Est-ce qu'on voit Montory? Chéronce, Moumour. Par contre, en fait.
D918, et c'est quoi l'autre? D59. Est-ce qu'on voit l'une des deux? En vrai, la D918, elle doit aller soit à Mouléon, soit... Là, tu vois, la D918, elle est là. En vrai. En vrai. On peut aller... Attendez, la route, elle fait comment? Est-ouest. On serait genre par là, peut-être, non? Montory. Ah, c'est ça, non? Oui, on est à Montory. Retournons au point de départ. Ah, ben on était là, c'est ça le point de départ. Pardon. C'est un rond-point, en effet, et on est au nord. Parfait, 1 mètre. Ce qui conclut avec brio ce défi où on fait encore une fois à peine plus de 20 000 points. Malheureusement, c'est compliqué. Et nous avons un chat qui a décidé de s'allonger ici. Alors, qui pue? Tu pues le chat, tu pues. J'ai rien d'autre à dire, tu pues. Va te laver le cul. Show leaderboard for your friends. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, d'accord. Peut ajouter des amis sur GeoGuessr et en fait afficher que les amis. Ce qui est pas mal en vrai. Ce qui fait que quand tu fais un tournoi, par exemple, tu pourrais partager le lien du tournoi et en fait avoir à la fin que... Ah merde, c'est... Pardon, je t'ai tiré une... J'ai cru que c'était un poil détaché qui était sur mon micro et en fait je lui ai tiré une moustache. Ça va, je ne l'ai pas arraché non plus. Mais... Donc du coup, ouais, tu peux filer le lien à tout le monde. Tout le monde peut jouer. Et à partir du moment où les gens qui font le tournoi ne trichent pas, évidemment, avec leur chat, il faut pas regarder le chat quand tu fais un tournoi de toute façon, eh bien tu peux avoir les scores de tout le monde et... Quand tu cliques du coup sur tes amis, tu ne vois que ceux qui participent au tournoi ou peut-être un peu plus, mais voilà.